Father time checked, so let me no doubt. Call on the north wind to come on out. Then cupped his hands so proudly to shout, la di da di da di dum, 'tis autumn. The trees say they're tired, they've borne too much fruit. Charmed all the wayside, there's no dispute. Now shedding leaves, they don't give a hoot. La-di-da-di-da-di-dum. Hello, on est le mardi 15 octobre et actuellement je viens de rentrer du travail. Je vous emmène avec moi ce soir, voilà, pour vous emmener dans ma night routine, etc. C'est des vidéos que j'avais déjà fait l'année dernière, tout simplement. J'avais fait morning routine et night routine, mais vu que là maintenant c'est mon appartement, c'est ma maison, etc., etc., forcément je fais pas les mêmes choses que quand j'étais chez mes parents. Donc du coup j'ai décidé de vous emmener, voilà, ce soir avec moi, parce que exceptionnellement aussi je n'ai pas de théâtre, parce que normalement j'ai théâtre le lundi, le mardi et le jeudi. Donc ça fait 3 soirs par semaine, donc on va dire qu'il n'y a qu'un soir vraiment où je fais vraiment une vraie night routine, etc. Parce que vu que mes cours de théâtre c'est le soir, le plus souvent je rentre 23h minuit. Donc vous doutez bien que je ne fais pas une night routine, genre juste je vais à la douche et je dors. Donc voilà, donc là je profite de ce soir et du mercredi soir pour faire ma petite night routine tranquille et tout et tout. Mais vous allez voir que ça va pas être une night routine reposante, parce qu'il est actuellement 17h30 et on a pas mal de choses à faire. Voilà, donc là je viens de rentrer. Donc voilà, j'ai fini à 17h le boulot, je viens vraiment de rentrer il y a 3 minutes. Donc je vais me poser tranquille, je vais goûter, etc. C'est rare que je goûte, mais là j'ai faim et vu que je sais ce qu'on mange ce soir, je sais que c'est pas dérangeant de goûter. Donc du coup je vais goûter, je vais me poser tranquille. Je pense que je vais me poser voilà, un quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes maximum. Et ensuite on va s'attaquer aux choses à faire de la night routine, parce que vous allez voir que ça va être, j'espère, une night routine chill mais aussi assez productive. Ok, donc comme j'ai dit, là je me suis un peu posée, il est 18h, j'ai aussi révisé un peu les chansons que j'avais à faire. En attendant mon copain, je vais faire un peu de sport, tranquillement faire ma séance, chose que je peux pas faire normalement le mardi soir, donc je suis très contente de pouvoir la faire ce soir, voilà, comme ça, ça va un peu me soulager aussi dans mon emploi du temps de sportif. Coucou, du coup là il est 19h, mais du coup on allait récupérer mon colis Vinted, du coup je vais l'ouvrir avec vous. C'est un vêtement que je cherche depuis très longtemps, enfin que je cherche depuis trop longtemps, que en gros j'avais vu ça sur quelqu'un et j'étais en mode waouh, je veux trop le même. Et en fait je l'ai revu récemment sur une meuf qui faisait une vidéo de YouTube, et en fait je me suis dit mais c'est vrai que ce haut je le veux trop, et du coup je suis juste allée sur Vinted et je l'ai trouvé direct. Je sais plus combien je l'ai payé, mais pas trop cher parce que j'avais des réductions. Voilà, donc regardez, c'est un petit haut rose comme ça à épaules, vous savez, épaules dénudées. Donc il m'a l'air très petit, genre en mode crop top, mais écoutez, on va essayer, voilà. Et c'est grave bon, j'ai trop hâte de l'essayer, donc on va l'essayer tout de suite pour voir. Hop, du coup voilà à peu près ce que ça donne. Franchement, du coup, je sais pas si vous le savez, mais j'en ai déjà un gris comme ça. Mais c'est vrai que le rose pastel, c'est ma couleur préférée. Il est trop beau, donc il tombe bien sur les bras, donc c'est bien. Là, ça va aussi. Bon, du coup, par contre, juste c'est vrai que si tu lèves genre les bras, voilà, il est court quand tu lèves les bras. Mais en soi, quand t'es comme ça, genre si tu lèves pas les bras, franchement, ça passe nickel. Du coup, là, il est 19h, donc je vais en profiter que mon copain soit pas là parce qu'il est parti au sport, pour faire ma petite shower tranquille. Ensuite je pense que je vais lui préparer le canapé, parce que du coup en gros demain matin il doit se lever à 4h du matin, donc je lui ai dit de dormir sur le canapé parce que j'ai pas envie de me réveiller si tôt, parce que moi en fait si, genre j'ai le sommeil très léger, donc si tu me réveilles c'est fini pour moi, je ne peux plus m'endormir. Donc du coup je vais aller me laver, lui préparer le canapé, puis ensuite je pense que je vais me poser devant des vidéos, je vais jouer à Mario Kart ou quoi, en attendant qu'il rentre, soit qu'il soit l'heure que j'ai faim. Voilà, en tout cas j'aime trop ce haut, je trouve en tout.
faire des études de tête et se retrouver à 20h chez soi par terre pour faire la tortue. Regardez, je me suis mise trop bien devant ma petite série avec les petites lumières, la bougie là-bas, petit canapé fait pour mon chéri, avec mes petits doudous, citrouille, petit chat. Moi, j'ai aimé de bien là, en attendant mon mec. C'est ça la belle vie. De quoi répondre encore plus son message à travers le pays, soutenir les familles affectées et aussi de quoi gagner de l'argent. Petite skincare routine. Alors, déjà, petite lotion ou nettoyante comme d'habitude parce que c'est bien. Là je me suis brossé les dents mais je vous ai pas montré parce que ça sert un peu à rien. Toujours le gel aloe vera de Aromazone, voilà. Mais ce fluide hydratant zinc hydrogonique acide salicylique. J'ai refait un diagnostic de peau récemment. Je sais que quand j'avais fait mon diagnostic de peau à Amazon, ils me conseillaient celui-là. J'ai refait sur un autre site. Je vais voir un peu quel produit il faudrait que j'achète. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué à cibler. Et cette petite crème, du coup j'ai racheté la routine SVR parce que j'avais l'impression que ça faisait du bien à ma peau. Honnêtement, je pense que vraiment les produits qui ont fait le mieux à ma peau, c'était les produits Typologie. Donc je pense que je vais les racheter parce que genre vraiment quand j'ai utilisé la skincare Typologie, j'ai vraiment vu une vraie différence pour le coup. Donc je pense que je vais les racheter. C'est une dinguerie parce que je vous jure que vraiment j'ai vu une vraie diff. Et avec ces produits là aussi, genre les produits SVR, c'est juste qu'ils se terminent vite. Bah notamment celui-là, là, il se termine extra vite. Donc j'essaie de pas trop l'utiliser. Mais ouais, genre Typologie, ça faisait vraiment une vraie vraie diff, donc je pense que je vais m'en racheter en miniature ou genre juste 2-3 produits quoi, parce que c'était quand même pas mal quoi. C'est dommage que ça coûte cher. Et pour finir, touc, je me mets ça, petite crème. Bon, ça j'avoue que c'est plus pour que mes cheveux soient bons. Après je pense que ça les protège quand même. Et je pense que ça les fait un peu pousser. Enfin, je sais pas trop ce qu'il y a dedans. C'est pas mal. Donc ça c'est pour ma skincare. Je vous retrouve, il est bientôt 22h. Donc là, tout le monde est au dodo. Voilà. Mon chéri du coup dort sur le canapé. Pour que demain il puisse se lever sans me déranger. Voilà, du coup moi ben là je vais aller lire mon livre et on va dormir. Hein. Ce soir on est en alerte orange, donc ça va être une nuit compliquée je pense parce que orage, vent, etc. Donc bon, on verra comment ça se passe. Mais du coup voilà, je vais lire un peu et tout et puis je vais aller dormir parce que je me réveille comme à 6h demain. Donc je suis là en mode pump it up, ouais j'ai pas théâtre donc j'ai toute la nuit devant moi. Pas du tout, vraiment pas. Ça ne sert à rien si je me couche plus tard que quand j'ai théâtre, en fait, ça n'a aucun sens. Donc du coup, ouais, je vais lire et go dodo. Du coup, en ce moment, je suis en train de lire le tome 2 de Niféa et la chambre rouge. Donc c'est les dessous de la chambre noire. Voilà, je suis vraiment au tout début du livre parce que j'ai une petite panne de lecture depuis le livre... Je sais plus quel livre c'était qui m'a causé une panne de lecture. Ah si, c'était Mary Jam qui m'a causé une panne de lecture. Du coup, j'ai lu 1000 morceaux de cœur brisé. J'ai eu du mal à le finir et lui, bah, j'ai eu du mal à le commencer. Et j'avoue qu'en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup d'autres livres qui me donnent envie de lire et qui sont pas forcément ceux de ma pile à lire, dont lui. Enfin, il y a vraiment plein de livres en ce moment qui me donnent envie. Donc je pense que ce week-end, je vais aller faire un tour à la librairie et je vais acheter 2-3 autres livres. Parce que ouais, j'ai vraiment une panne de lecture en ce moment, ça fait genre 2 mois, 3 mois là que j'ai vraiment du mal. Donc bah, pareil pour lui quoi.
Mais pourtant, je me disais, ouais, ça va me faire du bien parce que c'était le tome 1, j'avais grave aimé et tout, mais finalement, non. Moi, je vous fais des très